Eh ben ça y est les gars, on connaît le gagnant de Top Chef. Top Chef ? Mais c'est pourri Top Chef, c'est nul, ça pue, ça craint. Bien sûr, la seule émission culinaire qui compte, c'est la chasse aux fraisiers. Ah oui, la chasse aux fraisiers, et c'était la finale, c'était hier. Ben regarde. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la chasse aux fraisiers. Cette semaine, en Picardie. Le principe, vous le connaissez. Deux candidats, nés le même jour, doivent s'affronter pendant une heure pour réaliser leur propre gâteau d'anniversaire. Un fraisier. Ils ne disposent pour cela d'aucun ingrédient et d'aucune recette. Cette semaine, pour juger de la qualité du résultat, nous avons à nos côtés le chef étoilé pâtissier, Marc Mercier. Pierre Manu, Christopher, vous êtes prêts ? Oui. Le chrono est parti ? Le chrono est parti ! Le chrono est parti, j'y vais ! Je vois une personne! Un habitant, je vais demander! Bonjour monsieur! C'est pour le jeu La Chasse aux Fraisiers, monsieur! Je dois réaliser mon propre gâteau d'anniversaire, il s'agit d'un fraisier! Est-ce qu'on peut aller chez vous, monsieur? Oui. Allez, on y va! On va pénétrer à l'intérieur. On est en train de monter les étages. Voilà. Bonjour madame, vous avez déjà fait un fraisier, madame? Ah non. Je suis jamais dedans? Je suis chez madame. Oui, alors attendez! Bienvenue! Je vais la faire une pour la mousseline! Prenez l'ingrédient le plus original! Je vous dis tout, j'ai une salade de riz, des chipolatas, des pommes, de raclette. La raclette me semble être un bon élément. D'accord, je peux prendre un peu de raclette ? Oui. On va incorporer les morceaux de raclette pour le fraisier. Ça sent bon. Ouais. Très bien, je vous remercie madame. Ouais. Au revoir. Merci. La chasse au fraisier continue. On repart, on y va. Ah ! J'ai oublié mon batteur. Je retourne chercher mon batteur. Mon batteur ! J'ai oublié mon batteur ! Merci, monsieur. C'est bon, j'ai récupéré mon batteur, Sylvain. Nous vous survolons actuellement, Pierre Manu. Oui, je vous vois, Sylvain. Pierre Manu, je vous rappelle qu'il vous reste encore 45 minutes pour réaliser et confectionner votre gâteau d'anniversaire face à votre concurrent direct, Christopher. Christopher, vous en êtes où ? Oui, j'arrive dans une impasse. Je vois des maisons avec des voitures. Bonjour, madame. C'est pour la chasse aux fraisiers. Oui, je sais. Vous connaissez ? J'ai une dame qui connaît l'émission, qui va nous aider. Putain, vite, faut qu'on se paye le cul, on va jamais y arriver. Bon, vite, des œufs. Combien il en faut ? Deux. C'est bon, je fouette, fouetter. Du lait ! Ça va partir, ça va pas prendre. Du lait ! Y'a pas de lait ! Oh merde ! Y'a pas de lait ! De l'eau, y a pas de l'eau, ça prend, c'est pareil, de l'eau. Et si c'est pareil C'est bon, j'ai du lait. C'est bon, ça prend. Putain, ça prend pas mal, hein. Ça prend, vous m'entendez? Du sel, il faut du sel. À côté, il y a du sel à côté. C'est pas là? Merde, c'est la pistache. Merci. Attendez, allô? Allô, j'entends plus. Putain, c'est nul à chier. Allô? Merde, faut chier, putain. Pendant ce temps, nous allons voir du côté de Pierre Manu. Ouais, je crois que Pierre Manu a beaucoup plus de mal que Christopher, hein, il me semble. Pierre Manu, vous en êtes où ? C'est bon, j'ai la génoise ! Sylvain, j'ai la génoise ! On va au frigo ! On court au frigo, là ! Est-ce que vous avez des fraises ? Non. Tant pis, allez, je permute un ingrédient. Allez, on permute ! Vous voulez quoi ? On permute ! Non, on fait un fraisier au kiwi, c'est parti ! On fait un kiwitier ! Allez, c'est bon ! J'ai ma crème fouettée au kiwi ! Très bien, vous avez un micro-ondes ? Oui, il y a un micro-ondes. Est-ce que vous avez, Pierre Manu, ajouté l'ingrédient mystère ? J'ai pas l'ingrédient mystère. Ah, donc c'est l'alcool, attention, une touche de l'alcool. Donne un peu de Porto. Du Porto. Vous êtes portugais ? Je suis chez des portugais ! Il est bon, je mets un petit peu de Porto. Il vous reste 2 minutes. Il est bien, ok, on peut partir à la cuisson. Bon, allez, on y va, bon, 30 secondes. 13 ! Il vous reste 12, 10 secondes ! 11 ! 10 ! On y croit ! 5 ! 4, 3, 2, 1, c'est 1. Bon là ! Top ! On a un fraisier au kiwi et au Porto. Ah. Merci madame. Alors, on va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe du côté de Christopher. Christopher, vous en êtes où ? C'est pour la chasse aux fraisiers, c'est la télé ! C'est pour la télé ! Christopher, calmez-vous. Ah putain de merde ! J'en voudrais pas comme commis. Hein. Il est très très nerveux, très agressif. Merde ! Ah merde ! Mais merde ! Calmez-vous ! Oui, vous inquiétez pas, c'est bon ! C'est bon, j'ai trouvé les fraises, hein ! Très bien ! J'ai tous les ingrédients, là !
Visiblement, il s'en est bien sorti. Il a l'air sûr de lui, mais... Attention, je vous rappelle, Christopher, que vous n'avez pas le droit de vous faire aider manuellement. Je veux avoir un fraisier. C'est pour un jeu télévisé qui s'appelle La chasse au fraisier. Vous avez ça? Ouais, je vais prendre ça. Et vous dites pas que vous m'avez vu, hein, si jamais il y a les gars de l'équipe qui viennent. Ah non, c'est incognito. Je suis censé le faire moi-même, le truc. Au revoir, merci, hein. Nous nous retrouvons tout de suite sur la place du village où nous allons poser les hélicoptères pour la phase de dégustation en compagnie de Marc Mercier, chef pâtissier au tremplin, ainsi que des jurys, un jury constitué de villageois de Vosciennes. A tout de suite. C'est le moment de la délibération finale. Pierre, Manu, Christopher, je vais vous demander de reculer un tout petit peu. Et on va laisser maintenant Marc Mercier délibérer avec les membres du jury. Lequel a fait le meilleur fraisier? Christopher. Christopher également. Ah oui, Christopher. Non, pas mal, non, pas mal, on va le voir, mais... Elle a de vomir. Pourquoi vous goûtez pas, vous? Allez-y, goûtez votre propre... Ça manque un peu de cuisson. Christopher a fait le meilleur fraisier. Il a pas fait. Calmez-vous. Écoutez, la chasse aux fraisiers, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine à Villard-de-Lans pour un nouvel épisode de la chasse aux fraisiers. Abonne-toi, viens. Abonne-toi. Mais abonnez-vous. Abonne-toi, déconne pas. Bon, allez, abonne-toi.